Va gauler un caddie. Allez, un caddie, hein. Bonjour. On pense ça, vous faites votre course, c'est sympathique, je trouve. Vous êtes du magasin? Non, pas vraiment, en fait. En fait, le sèche-cheveux là dans votre caddie, vous pensez acheter? Ah si, je l'ai mis dans mon caddie. De toute façon, c'est pas son affaire. Ça va la vie? Je vous dérange pas? Chut, je m'en occupe. Mais de quoi il me parle celui-là? En fait, c'est simple, hein. Je le vole pour vous et vous me l'achetez à la sortie. C'est pas mal, hein? Écoutez, mon pauvre garçon, c'est un endroit civilisé, ici. Maintenant, c'est parce que je vois 249 francs, c'est immense. Bon, en fait, je peux vous faire 20%. Non, mais je rêve. N'importe quoi. Et le pot d'Atarama gratuit. Bah, 30% non. Allez, on emballe tout. Hein? 30%? 30% et on emballe tout. D'accord. Ok. On se retrouve mais, sur là, mais là, j'ai pas encore fini mes courses. Mais c'est pas grave. On se retrouve sur le parking, hein, sur le parking. Le chèque, c'est moi qui le remplis? Ouais, la machine est cassée. Allez. Merci. Au revoir. Hé, hey, mon stylo-pille! Oh, pardon.
vérification, madame. Je peux voir votre ticket? Mon ticket? Oui. Tenez. Merci. Et le séchoir? Le séchoir à cheveux? Un séchoir? Je n'ai pas acheté de séchoir. Vous allez prendre un séchoir à cheveux dans les rayons, madame. Vous allez me suivre, madame. On va régler ça discrètement. Mais mon caddie... Laissez. Franchement, c'est un peu fort de café. Pour les articles qui coûtent cher, on suit ça de près. Hein? Sur nos écrans. C'est chaud, il y a un type qui pique des fromages dans son slip. Sérieux, j'adore. Quoi? Allez, papier. Allez, allez. Alors? Ce séchoir à cheveux, il est passé où? Écoutez, monsieur, tout ce petit numéro me paraît déplacé. Je dis papier ou je te fous au flic! Allez, donne. Allez, donne-moi ça. Tremblez pas comme ça, madame. Yo! On va pas vous manger, hein. J'avais une petite vieille piquée de la vodka. Allez, donne-moi ça, toi, dégage. Monsieur, je n'ai aucune raison de voler. Connard, comment ça me gonfle, celui-là? J'ai vu, vous l'avez tripoté, avec vos doigts, là. Mais tais-toi ou je te colle une droite, toi. Tu me l'arraches des petits rigolos, ça. Agnès Alan. C'est bon, y a rien. Autant pour nous. Vous pouvez y aller. Désolé pour la couille dans la patin, hein. Gilles... Tu m'inquiètes, bordel! Putain! Oh, con! Tu sais combien ça coûte, ça? Moi, jamais je ne paye, jamais! Allonge la cam, du con. Hop! Et la boîte? Ah bah, j'ai trop en comprendre, vous comprenez, je l'ai fait lourder sur place. D'accord, d'accord, d'accord. Et la garantie? Ah bah, vous charriez, là, hein? Ah bon? Bah oui. Et le tarama? Tarama? Ah oui, tarama, oui. Oh, c'est il s'est ventré. Oh là là. T'es désolé. Bon, on revoit. 175 francs, j'ai tout calculé. Calculé? Dites, Ouais? Pourquoi m'avoir choisi, moi? Et l'argent? Hein? Pourquoi moi? Parce que je suis un pro, moi. et là, vous avez un peu de temps devant vous, là? Bon, ok, vu que le tarama est foutu, 150 francs, ça ira, hein? Je suis sûre que vous avez très bien compris où je veux en venir, hein? Bah écoutez, bah bon, ok, 100 francs et on n'en parle plus, ok? Hein? Alors comme ça, vous jouez les goujats dans les rayons et maintenant, il n'y a plus personne? Je veux pas m'abaisser plus, moi, oh! Oh! Et mon argent, écoutez! Oh! Oh, ça coule! Vas-y! Fais-moi du bien! Rentre-moi dedans! Touche-moi!
Touche-moi. Fais tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Bah écoute, ça va pas, non? Oh. Bah quoi, je vous plais pas? Bon allez, ça suffit, hein. Je me trace. J'ai pas fait d'études aujourd'hui, putain. Merde.